Coucou les copines, bienvenue dans un nouveau try on haul. Bon truc, qu'est-ce que j'aime me remuer dans tous les sens. Bon, je vous avais promis un try on haul Zafoul. Vous avez suivi mes galères, etc. quand je les avais reçus. Bon, on va pas faire trop de blablatage. On commence tout de suite avec cette jolie petite robe. Attendez, je vais vous baisser un peu pour que vous puissiez voir jusqu'où elle va. Je mets ma main ici parce qu'il y a un petit trou que vous n'aurez pas si vous commandez la robe. Tout simplement parce que moi, je l'ai craqué la robe. Dès que je l'ai reçue, au lieu de la déboutonner, de la mettre comme une veste et de la reboutonner, je l'ai direct mise comme ça. J'ai forcé ma tête, etc. jusqu'à que ici, ça s'est un peu craqué. Mais la robe, elle est sublime. Ici, vous avez des petits détails comme ça. Elle est trop trop belle. Même ma mère qui complimente jamais mes habits, là pour le coup, elle m'a dit elle est belle cette robe. En fait, c'est une matière, vous savez, ça c'est la matière préférée de ma mère. C'est une matière qui donne pas du tout chaud. Donc pour cet été, c'est trop bien. Attendez, je vous recule. Et pour la longueur, elle arrive à là, sur moi. Vous voyez, trop trop belle. Hier, je l'ai portée pour le mukbang d'hier. Hier, je l'ai portée toute la journée et elle est trop belle. Prochain article. Ensuite les filles, je me suis pris ce jean qui pour une fois est grand pour moi. Les filles, depuis que j'ai repris du poids, c'est la première fois que j'essaie un jean qui est grand. Et franchement ça me dérange même pas parce qu'avec une ceinture ça passe. Regardez, imaginez, hop, une petite ceinture, et ben ça passe. Je préfère avoir des jeans trop grands que trop petits parce que là il y en a un que j'ai reçu qui est trop petit. Mais pareil, bah celui-là il est trop beau. Il a quelques petits détails ici comme ça. Et au niveau du bas, il est oversize comme ça. Vous connaissez les filles, mon amour pour les hauts simples comme ça. J'en ai pris plein. Donc j'ai pris celui-ci en noir, celui-ci en gris. Et moi les filles, si vous l'avez bien remarqué, j'aime trop les hauts comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle ce col, je crois que c'est col bateau. Comme ça, parce que je déteste les hauts ras le cou. Pour celles qui ont des petits coups comme moi, ça ne nous va pas du tout les hauts ras le cou. J'aime pas trop les hauts en décolleté complètement. Mais j'aime bien le entre-deux, comme ça, vous voyez. Et aussi, je trouve que ça fait une super silhouette quand ça tombe pile au milieu des épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des hauts qui sont comme ça. Donc des hauts comme ça, hop. Bon là, on dirait un énorme H qui a penché. Il y a des hauts comme ça. Voilà, des hauts basiques qui sont bien. Et il y a des hauts comme celui-ci qui viennent couper l'épaule. Et ça, c'est trop beau et j'aime trop. Et là, il y avait une petite sélection de trois hauts... noir, gris et blanc, pas cher du tout. C'est parti, on essaie le blanc. Et là c'est le blanc. Par contre faites attention les filles, ces hauts là sont crop top hein. Pour celles qui portent pas de haut crop top, ces hauts là ils sont crop top. C'est juste que moi à chaque fois que j'achète un jean, je l'achète très très taille haute. Vous voyez là j'ai plus que ça de ventre. Tous mes jeans ils m'arrivent à là. Donc je prends toujours des hauts un peu, pas crop top complètement mais un peu. Vous voyez, histoire qu'ils tombent pile vous voyez comme ça. Histoire qu'ils tombent pile à la hauteur. Ensuite les copines, on a ce jean là mais malheureusement il est trop petit pour moi, il est super beau hein. Ici il y a une petite déchirure, je suis pas fan des déchirures qui sont trop hautes comme ça. Ouais, je suis pas fan des déchirures qui sont trop hautes comme ça, mais je mettrai un legging en dessous. Quand je maigrirai, je mettrai un legging au-dessus, en dessous, et du coup ça se verra, on verra rien quoi. Mais il est super beau, en bas il y a une petite fente comme ça, fente, il est très beau, je suis dégoûtée qu'il m'aille pas. C'est du combien? C'est du M. Bah, je suis nouf, moi aussi je prends du M. J'aurais dû prendre du L. Je vous avais dit que ma mère, elle me dit tout le temps qu'il y a une technique qui consiste à en gros s'étrangler avec le jean. Et si c'est trop petit pour notre nuque, c'est que c'est forcément trop petit pour nous. On va voir. Non, ça marche pas les filles. J'ai essayé, c'est pas trop petit, pourtant c'est petit pour moi. Mais bon, en tout cas, il est validé. Il est beau, c'est un beau jean. Ensuite les filles, un de mes articles préférés, mais je l'ai tellement saigné que ma mère, elle a mis à la machine à laver, donc il est mouillé, mais c'est pas grave, je le fais pour vous, je le mets. Oh. Oh, au secours. C'est ce t-shirt là. Pourtant je viens de vous dire que j'aime pas les cols bateau. Mais celui-là il est pas étouffant. Vous voyez, il descend comme ça. Il est pas là, je supporte plus les cols comme ça. Vous voyez, je peux plus, en plus ça me va pas. Donc ce haut hyper oversize, on voit rien du tout. Il est magnifique, c'est mon haut préféré. Enfin si je devais choisir un seul article là de tout ce que je viens de prendre, c'est celui-ci. Il est trop beau, il habille toute une tenue. Il est large, il est oversize. Vous pouvez mettre ça avec un jean comme ça, vous pouvez mettre ça avec un legging, vous pouvez mettre ça avec un short cycliste, c'est à vous de voir comment vous voulez l'habiller. Il est trop beau, vous pouvez même le retrousser pour celles qui n'aiment pas les habits trop longs comme ça. Moi j'aime trop quand c'est long, c'est bien oversize. Mais si vous n'aimez pas, et ça devient un petit truc un peu court, mais il est trop beau. J'ai acheté des maillots de bain pour cet été les filles, regardez.
Ça, c'est un maillot d'arbre. On ne va pas essayer les maillots de bain quand même, il y a pour toucher. Il y a un certain nombre de trucs qu'on ne peut pas essayer, comme les maillots de bain. Donc, je vous les montre comme ça. C'est un maillot de bain. Le short, qui m'a l'air... je ne sais pas si je vais rentrer là-dedans, mais pour truc. Et le haut. Franchement, il n'est pas magnifique comme ça avec un petit short. Moi, je compte mettre des maillots de bain comme ça, avec un petit pareo, vous savez, les longs pareos noirs que j'ai toujours pas acheté. Ah si, enfin non, je crois que je l'ai pas encore reçu. Long pareo comme ça. Et la couleur, c'est pour cet été, elle claque, regardez. Et c'est une matière qui met grave en valeur, hein, ça, ce genre de matière, elle met vraiment en valeur. Avec un petit pareo long, j'aime trop, je valide. Le même maillot de bain, avec une jupe. Mais en gros, pareil, c'est un maillot de bain 3 pièces. Bon, par contre, qui va rentrer là-dedans? Je crois, moi, c'est un cache-nez, c'est un masque. Voilà, c'est un masque. Je pourrais pas rentrer là-dedans. Même si je perds tout le poids du monde, je vais pas rentrer là-dedans. C'est pas grave, je me suis trompée de taille. Mais en tout cas, le principe, il est vraiment bien. Trop beau. J'ai flashé de fou sur ce maillot de bain. Je suis dégoûtée avec un pareo noir, ça aurait pu faire trop beau. Mais je vais me le recommander en taille L. En taille L. Là, il y a pas trop, je fais quoi. Avec sa petite jupe, franchement c'est pas mignon. Vraiment je suis juste dégoûtée de pas avoir pris ma taille, parce que pareil ça c'est un peu trop petit. J'aurais préféré, je crois que pour la jupe, ouais non, j'aurais préféré du L. Ça aurait été parfait. C'est trop bien ça, j'aime trop. Ensuite les filles, alors ça vraiment découverte révolution. Je les ai essayées, hein. Je pourrais pas les essayer devant vous malheureusement, mais ça fait un corps de dingue. En fait c'est des cyclistes comme ça. Vous voyez, avec ici une matière hyper, vous voyez, c'est une matière qui, c'est comme la matière d'une gaine, vous voyez. Donc ça maintient bien le ventre. Tout ici, bah, c'est serré, donc ça vous maintient bien les cuisses, etc. Mais là où ce n'est pas serré, eh ben, c'est au niveau des fesses. Donc c'est trop bien. Parce que ça vous fait un super corps. Vous pouvez porter ça en dessous de vos robes par exemple. Vous pouvez porter ça pour faire du sport si vous êtes... enfin bon, et pour toucher quoi. Moi j'aime trop. Je me le suis pris en blanc aussi. Trop trop beau. C'est validé. Ensuite les copines, vous avez cet autre coup de cœur. C'est une petite robe comme ça que j'ai déjà portée sur une photo en stage. Et ça pareil cet été, ça va être trop trop bien à porter à la piscine, juste en dessous du maillot de bain. Trop trop belle, j'aime trop. Ici les petites manches comme ça, elles sont trop belles. Ça c'est vraiment mon genre de robe. Ça c'est le genre de robe genre style mignon, vous voyez. Et moi j'aime beaucoup les trucs un peu style mignon. Même si ça me rajeunit peut-être, mais c'est pas grave. C'est le seul truc qui me rajeunit que j'accepte. Trop trop beau. Voilà les copines pour ma petite sélection Zafoul. J'aime beaucoup, j'ai pas été payée pour en parler les filles, hein. J'ai juste reçu ma petite sélection. Mais en tout cas je suis super contente. Ces petits hauts là, si ça peut vous donner des idées de quoi acheter, ou si ça peut vous donner des idées de combinaisons, quoi mettre, etc. Ces petits hauts là, des basiques à avoir. Ils sont un peu courts, hein, mais moi je porte souvent des jeans, enfin j'ai que des jeans comme ça qui montent jusqu'à là, donc c'est la hauteur parfaite. Vraiment des basiques à avoir, et surtout privilégier les filles des cols comme ça. Si vous avez à peu près la même morphologie que moi, c'est vraiment ce qui nous met en valeur. Les petits maillots de bain 3 pièces, vraiment coup de cœur. Avec un petit pareo par-dessus pour cet été. Vous allez voir, je vais vous faire des outfits au-dessus. Je regarde parce que l'été de l'année dernière, là, mes vlogs de l'année dernière, ils étaient bien, mais ils n'étaient pas au-dessus. Vous allez voir, Inch'Allah, cette année, si tout se passe bien et qu'on part, parce que comme je vous dis, il y a toujours des, voilà, des petites galères, etc. Si tout se passe bien et que vraiment on part, eh ben, je vous montrerai mes outfits, etc. Je ramènerai mon trépied, donc ça sera moins compliqué. On fera tout mieux, là, cette fois. Cette année, on va tout mieux faire. Au-dessus. Les petits leggings, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent un corps aussi beau. J'aime trop, c'est validé. Ils me servent, hein, pareil, j'aurais dû prendre une taille au-dessus, mais c'est pas grave. Les jeans, c'est validé, à part celui-ci, bah, malheureusement, il n'est pas à ma taille, c'est ma faute, j'aurais dû prendre une taille plus grande. Et puis les robes, celle-ci est la première, c'est validé, les cops. C'est validé, Bimo, ou c'est pas validé? Ah, ma princesse, ne lui regarde pas trop. Ils se disent Michon, ils disent oui, Bimo, il est Michon. Ils disent ça 10 fois et ça m'énerve. Bimo, il est très gentil, ils ne connaissent pas le cœur pur de Bimo. Oui, tout fait tard. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je te montre ici ma jalouse.
Voilà, elle voulait que je la montre. On est accordé en plus. Très soucieuse de son apparence, très soucieuse. Bon, voilà les copines pour ma petite vidéo haul. J'espère que ça vous a plu. Je fais pas souvent des try haul parce que j'ai avec ma prise de poids, etc. Mais là, je suis à perte de poids. À chaque fois que je vous fais une haul, je vous dis la même chose. Je vous dis, je suis en train de perdre du poids, c'est vrai. J'espère ne pas en reprendre. Bref, les copines, qu'est-ce que je vous disais? On se retrouve ce soir pour un live. Ce soir pour un live. Le live, il sera vers 22h. 22h pile, je pense. Oui, 22h. On se retrouve ce soir pour un live à 22h. Et on se retrouve demain pour un big weekly vlog. Je suis trop contente de vous poster ce weekly vlog parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs dedans. Donc à ce soir et à demain pour celles qui ne veulent pas participer à mon live. Pour du sucre. Bisous les cops.